vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un haul Centrecor et Action. Donc à Centrecor, j'ai pas acheté énormément de choses, hein, deux articles. Et le reste provient de chez Action et c'est pareil, j'ai pas acheté énormément de choses. Pour Centrecor, j'en ai eu pour 9,48 €. Et Action, j'en ai eu pour 20,18 €. Donc vous voyez que c'est vraiment pas énorme. Mais je cherchais quelque chose en particulier à Centrecor pour réaliser donc un projet. Donc ça va tout simplement être le challenge avec la lettre H. Mais je ne vous en dis pas plus. Vous en saurez bien plus tard dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, voilà, donc je cherchais tout simplement un cercle à broder. Donc eux, ils appellent ça un tambour à broder de 185 mm. Voilà, donc du coup, j'ai pris celui-ci. Il y en avait des plus petits, mais j'ai pris vraiment la taille au-dessus. Voilà, donc du coup, voilà ce que je cherchais. Et il me fallait également des épingles à nourrice. Donc ça, c'est tout simplement pour ma couture. Mais pas que, parce que j'en ai besoin tout simplement pour certains rideaux dans ma maison où il faut que je fasse... Enfin, je dois bricoler mes rideaux. donc du coup, il me fallait des pinces à nourrice. Donc j'aurais voulu avoir un petit peu plus grand. Mais c'est pas grave, ça suffira. Et puis pour la quantité, j'avoue que franchement... c'est pas mal. Donc il y a 144 épingles à nourrice argentées de 27 mm. Voilà. Donc j'ai pris ceci. Je pourrais pas vous dire les prix parce que sincèrement je ne les ai pas. Ensuite, à Action, tout simplement j'ai repris des gommes parce que là, la mienne, c'est vraiment plus possible. Donc du coup, j'ai repris des petites gommes. Donc là, j'aurai de quoi faire puisque c'est un lot de 4. J'avais envie de sucreries. Moi qui adore tout ce qui est bonbons, et bien là, j'ai pris ces petits bonbons-là. Ils sont en forme de cœur et j'avoue qu'ils sont très, très, très bons. Voilà. Bah, du coup, manger des bonbons, ça donne soif. Donc du coup, bah, j'ai pris une bouteille toute petite hein, d'aloe vera. J'adore cette boisson. Franchement, c'est super bon. Bon, c'est très sucré. Mais bon, faut pas en abuser non plus. Là, c'est une bouteille qui fait 500 ml. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai pris? Déjà, on va commencer par ceci. Donc, j'ai pris tout simplement des petites fleurs comme ceci. Alors, c'est exactement les mêmes. Donc, j'ai pris celle-ci. Je pense que ça doit être des nouveautés. Mais franchement, les couleurs sont super jolies. Donc voilà, c'est un lot de 9 petites fleurs qui part vraiment dans les tons un petit peu pastel. Donc j'en ai pris deux, mais il y en a un qui ne sera pas pour moi. J'ai pris également des petites fleurs comme ceci en bois. Donc il y a des roses, des blanches et des couleurs un petit peu beige. Donc j'ai pris ceci, mais ça c'est pareil, ce n'est pas pour moi. Ensuite, j'ai pris ce dies là. Donc ça c'est tout simplement parce que j'aimerais réaliser quelque chose avec. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc c'est des dies en forme de timbre. Donc je verrai ce que ça donnera. Ensuite, j'ai pris donc un petit crayon comme ceci qui est trop mignon. Donc dans les couleurs bleu mint. Et à l'intérieur il y a plein de petits diamants. Voilà, donc ça c'est pareil. Je pense que ça doit être des petites nouveautés. Ensuite j'ai pris donc des crayons de couleur qui sont je pense aquarellables puisque c'est marqué watercolor. J'ai regardé à l'arrière et c'est marqué donc 18 crayons de couleur.
Donc c'est des nouvelles couleurs en forme triangulaire. Utilisez un taille crayon normal et ils peuvent être utilisés à sec ou avec de l'eau. Voilà, donc on peut les coloriser que avec les crayons de couleur et on peut en faire des crayons avec de l'eau. Donc à voir ce que ça donne. Donc j'avais envie d'utiliser un petit peu des crayons de couleur pour faire de la colorisation, pour changer un petit peu des pro marqueurs. Donc j'ai pris toutes les couleurs qu'il y avait. Donc ça par contre c'est pas donné, ça vaut 2,29€ les 18 couleurs. Donc là on a ça part de. Alors, normalement les premières couleurs sont ici, voilà. Donc ça part de du 73 au 80 au 90. Voilà, donc on testera ça ensemble. Après j'ai pris donc celle-ci, les couleurs un petit peu plus roses. Donc là ça fait plus bleu violet, là ça fait rose marron. J'ai pris ensuite, j'ai pris les bleus verts, hein, qui vont dans les ouais, bleus, il y a le bleu, vert, et après ça tourne un petit peu sur le gris. Et ici, j'ai pris donc cette, donc voilà, on a ces quatre bases là. Et là, ça va plus dans les tons jaunes, après plus dans les tons rouge corail et marron. Voilà, donc j'ai pris toutes ces couleurs. Donc, à tester. Et ensuite, j'ai pris donc ceci. Je pense que ça, c'est pareil, ça doit être des nouveautés, parce que moi, j'en avais pas vu dans mon action. Hein. C'est possible, hein, je ne sais pas, vous me direz. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Enfin, au niveau design, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, on a des Puffy, 4 planches Paper Switch et un holographique. Donc, je pense que c'est un transparent, un holographique et les 4 qui sont là. Donc, en plus, vous avez un petit cache là en transparence qui vous permet en fait tout simplement de venir éventuellement le décoller si vous voulez faire une petite checker. Ça peut être quelque chose de sympa si vous n'avez pas de rhodoïde. Et donc ici vous avez donc cette première planche. Donc pour celles qui font des memory planner ou des choses comme ça, de toute façon c'est des stickers pour planner. Hein. Donc même pour les bullet journal, ça peut être sympa. Donc on a celle-ci. Voilà. On a donc celle-ci. Alors avec le reflet, vous voyez pas grand-chose. Ensuite, on a comme un petit alphabet. On a ceci également. Ceci, ça peut être sympa avec les petites enveloppes marquées les adresses. Tomorrow, school. Bon, ce qui est dommage, c'est que c'est toujours en anglais. Mais c'est plutôt, plutôt sympa. Donc ça, c'est pareil, ce n'est pas pour moi. Donc il y a pas mal de choses que j'ai pris qui ne sont pas pour moi. Mais ça, vous verrez ça dans un prochain projet. En tout cas, j'ai adoré faire ma petite journée balade à Action et à Centre-Accord, tout simplement pour trouver un petit peu des petites choses que je souhaitais pour mon prochain projet. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous plaira. Et puis, moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye!